Je m'appelle Samba, je suis boulanger-pâtissier depuis l'âge de mes 14 ans. J'ai 33 ans, j'ai quitté le CEPROC il y a 12 ans et j'ai toujours été passionné par la boulangerie-pâtisserie depuis que je suis petit. Alors moi, j'ai commencé le CEPROC à 14 ans. J'ai fait 5 années d'études. J'ai commencé par le CAP-BEP pâtisserie. Après, j'ai fait une mention complémentaire et j'ai fini par un brevet de maîtrise en pâtisserie. J'ai appris le travail, le respect et la rigueur. Moi qui étais fâché avec l'école, on va dire, avec la scolarité, le fait d'avoir des profs qui ont été bienveillants envers moi m'a permis de progresser et d'avoir un autre rapport aux autres. Aujourd'hui, j'ai des perspectives d'avenir et des perspectives qui sont incroyables, juste incroyables. Cet apprentissage-là m'a ouvert beaucoup de portes, ce qui m'a permis d'avoir des postes à très grande responsabilité à l'étranger, très jeune, très rapidement, en Asie, je suis allé aussi en Angleterre, dû à ce savoir-faire-là français. Aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai 3 boulangeries, bientôt 4. Et dans mes collaborateurs, j'ai à peu près 10 apprentis. J'ai été à leur place. Donc aujourd'hui, je redonne ce que j'ai reçu moi-même en créant un cercle vertueux. Donc quand je transmets, on va dire, les gestes à mes apprentis, moi, je suis toujours très fier et très content de pouvoir les voir progresser, évoluer. Il faut savoir une chose, moi, j'en ai un milieu populaire. Et l'apprentissage, pour moi, était un vecteur de réussite sociale. Je suis certain qu'on peut avoir des belles perspectives d'avenir grâce à l'apprentissage. Tout est possible, en fait, c'est possible.